artisan et je suis dans la décoration. Je veux montrer ce volet africain qui mélange la culture et l'art, qui met en avant tout ce qui est décoration de, qui a un attrait avec la tradition, qui a un attrait avec nos coutumes, qui a un attrait avec nos valeurs. Alors j'ai une passion très jeune, très très jeune, et avec nos histoires de parents qui veulent avoir des enfants qui vont à l'école, mais pour travailler dans des bureaux. J'ai été confrontée à cela pendant des années. Ma passion était ailleurs et j'avais mes parents qui voulaient absolument que je fasse des études et que je travaille dans un bureau. J'ai fait des études, j'ai travaillé dans des bureaux, mais cette passion était plus forte. Et plus tard, je faisais des petits boulots, et en faisant des petits boulots, je tombais toujours dans ce qui avait l'attrait avec la décoration, l'événementiel. Et donc, j'ai vu cette passion commencer à prendre le pas, commencer à s'enrichir. Et plus tard, j'ai dû démissionner pour me former à cette passion. Donc voilà comment est née cette passion. Et comme je suis très passionnée de culture, hein, mais surtout la culture africaine qui est très riche, donc je fais un mélange avec la culture occidentale et la culture africaine qui fait que je vais mélanger une statue à un bouquet, je vais mélanger un vase à un mortier, à un pilon, à un bois de foufou, à une cuillère en bois. Je vais travailler le bambou comme je vais travailler la paille, le raffia. Je vais mélanger une statue à un tableau de peintre. Bracelet de femme vierge la veille de son mariage, une chikumbi. Alors elle a ce bracelet là, et tout ça encore, ça va rentrer dans mon thème de mariage traditionnel où certains symboles seront déposés à gauche à droite pour représenter la culture africaine congolaise surtout. Une passion, elle est en vous, elle brûle. Elle est obligée d'atteindre son objectif. Parce que c'est un rêve, c'est quelque chose que vous devez réaliser automatiquement, on est obligé. Il peut y avoir la passion, il peut y avoir toute forme de choses. Mais la base, c'est l'enseignement qu'on reçoit. Dans l'enseignement qu'on reçoit, on a des cours, des TP, sur la base, la partie commerciale, où très tôt déjà, on vous dit que vous pouvez rimer 5 ans. Comment vous allez tenir ? Donc on a ce côté encourageant qu'on a déjà reçu de la formation. Donc quand on arrive sur le terrain, mais on met en pratique ce qu'on a appris. Les choses ne se font pas comme ça. Ça dépend du besoin du client. Le client me donne un espace et il me dit « je veux telle chose, telle chose ». Ou c'est le traditionnel, ou c'est l'européen. Mais ils ont plus, mais il y a un problème. J'ai plus, les Européens, ils veulent tout ce qui est traditionnel. Les Africains, ils veulent tout ce qui ressemble à l'Occident. Dans ma décoration, je fais tout ce qui est événement. Je peux décorer, par exemple, une scène de théâtre. Je peux décorer un plateau de TV. Je peux, donc j'ai différentes techniques. Être artisan n'est pas, on n'est pas mis de côté. On n'est pas des illettrés, on n'est pas des sous-hommes. Il faut surtout que la jeunesse comprenne qu'avec ces travails de la main, on peut arriver à faire
des choses très très bien, et la passion aidant, la passion emmène encore plus haut. Je suis allée à l'école des beaux-arts à Paris, et après j'ai fait une formation en fleuristerie, c'est-à-dire pour m'occuper de tout ce qui est plantes en magasin. Donc je fais des bouquets de fleurs, des réalisations florales, qui ça équivaut à un CAP ici. Donc je suis allée en CAP, mais l'objectif qui m'a emmenée en CAP, c'est parce que je veux enseigner ce que j'ai appris. Beaucoup de jeunes désemparés, désœuvrés, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais je dirais aux jeunes de ne pas donner de repos à leurs mains. Moi j'ai cherché, je ne suis pas née avec mes calebasses et mes canaris. J'ai cherché tous les jours, j'ai commencé à réfléchir. Moi je vais demander aux jeunes congolais de vous lever. Je vais demander vraiment aux jeunes d'arrêter. Il faut vraiment prendre votre avenir en main. Et le travail qu'on fait avec ses mains, c'est le travail le plus riche qui puisse exister. Je suis ici au Congo depuis 2 ans et demi. J'ai observé, j'ai regardé les autres travailler avant, parce que je viens de l'Occident où les choses ne se font pas de la même façon. Alors ici, j'ai dû prendre une approche, voir comment ça se faisait. J'ai mis la connaissance occidentale de côté. Ce que j'ai appris à l'école, j'ai mis de côté. Je suis venue en Afrique et surtout de mettre en avant mon pays, ma culture, qui est très important pour moi, parce que je pense qu'en tant qu'Africain, on doit être fier de nos valeurs. Créer un centre d'encadrement, c'est pas évident. C'est pas évident, il y a les contacts, il y a les... Je trouve ici, il y a la motivation n'est pas la même. C'est-à-dire que je veux vraiment avoir une équipe, un petit groupe sûr, conscient, et ensuite commencer avec eux. Mais à chaque fois qu'on en parle, même pour les réunions, ça se détache au bout de 2-3 mois. Ils veulent tout de suite qu'on passe à la réalisation et à l'enseignement. Mais avant, il faut, je pense, déjà parler de ce qu'est la formation, comment on doit se comporter avec les plantes, comment on doit être dans la boue, dans de l'eau. C'est pas un métier de toilette. Quand je suis en atelier, j'ai les pieds dans l'eau, les mains dans la boue. Est-ce que tu vas supporter d'avoir tes ongles, ton tablier? C'est un métier quand même assez laborieux, hein. J'ai mon atelier au centre-ville, là où je vis. J'ai mon atelier dans la maison. Si l'Afrique comprenait ce qu'ils ont comme richesse, cette richesse sera multipliée par 10. Elle produirait mieux que ce que le pétrole leur produise. Si l'Afrique pouvait comprendre que l'artisanat mettrait l'Afrique en avant, le sortirait de l'ombre, l'Afrique serait très avancée. Alors là, sur cette table, j'ai fait un thème. Un thème sur les outils avec lesquels je travaille. Donc ça peut être du fer, ça peut être des perles, ça peut être du plastique, ça peut être des tessons de bouteilles, ça peut être des bouts de verre colorés, ça peut être des boules de fleurs artificielles, ça peut être de l'eau, comme ça peut être des nénuphars naturel ou artificiel, ça peut être avec des colorants, ça peut être le plastique, le fer. Et de l'autre côté, j'ai présenté des fleurs séchées qui à la base étaient fraîches et avec le temps elles ont séché. Donc je peux aussi faire des compositions avec des fleurs fraîches, naturelles, des plateaux, une cérémonie. Vraiment ça va de A à Z, quoi. De A à Z. Dans la décoration, bien sûr. Occidentale d'abord, hein, d'un volet occidental. Donc je mélangerai à des toiles. Par exemple, si les mariés ne veulent que des statues qui montrent un homme et une femme sur le thème du mariage, mais dans le travail que je fais en salle, en dehors des plateaux, ça va être que les thèmes mariage après. Les bureaux, c'est juste un tableau, deux tableaux, vraiment agencer les meubles, mais je ne vais pas plus loin.